Ah ben, chocolat, clairement. Chocolat, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, toutes sortes de chocolats. Alors, pour le coup, j'adore la montagne, mais la plage l'emporte quand même, non? Direct, le soleil, la mer, le sable fin, il fait chaud. Ouais, non, plage direct. Si je peux choisir, je préfère aller à la plage ou à Barcelone plutôt qu'aller. En plus, je ne sais pas skier, donc. Donc, plutôt qu'aller à la montagne, ouais. Ouh là là! Ah là, c'est chaud. Là, ça se complique. Alors, j'adore le cinéma, mais j'ai découvert Netflix l'année dernière, on va dire. Avant, je détestais regarder des séries parce que c'était interminable, donc ça se terminait jamais. Mais maintenant que je suis tombée dedans, c'est compliqué d'en sortir. Hein. Netflix tous les soirs, donc bah, Netflix, hein, on va choisir Netflix. Ouf! Alors j'ai adoré la saison 1 de 13 Reasons Why, mais alors désolé pour l'accent, mais Casa de Papel, c'est quand même pas mal. Même si je trouve qu'on en a fait des tonnes par rapport à la série, ça nous tient et pour le coup les deux saisons se valent, tandis que la deuxième saison de 13 Reasons Why est moyennement réussie. Donc Casa de Papel. Pour le coup, je crois aucun des deux, mais je vais dire plutôt Las Vegas parce que j'ai fait Miss Univers là-bas pendant 3 semaines, donc je connais un petit peu, tandis que Miami, je connais pas. Et même s'il y a la plage, j'ai l'impression, bon, le côté bling-bling, je pense, existe dans les deux villes, mais Las Vegas, c'est mythique, c'est fun de le voir une fois. Je sais pas si j'y retournerai, mais j'ai bien aimé. Afrique! Afrique, forcément, en tant que franco-africaine, je peux pas dire autre chose, quitte à choisir même, je suis même Bénin carrément. Non, l'Afrique, j'adore ça, j'adore l'Afrique. J'aimerais y vivre d'ailleurs un jour si l'occasion se présente, donc ouais, Afrique. Mer, parce que piscine, c'est un peu un bain avec tout qui est brassé à l'intérieur, donc c'est pas très glamour, tandis que la mer, même si on sait que tout le monde se fait plaisir dans la mer, avec le courant, c'est plutôt rassurant, donc plutôt mer. Ouais. Plutôt Instagram. Non, Facebook, c'est un peu en train de mourir et Twitter, j'y vais pas beaucoup, donc ouais, plutôt Instagram, désolé. iPhone, ouais, moi je suis team iPhone, même si la batterie ne tient pas, je suis team iPhone. Et même si le Samsung fait de belles photos, ouais, je l'avoue. Jalouse. Oh ouais, je suis jalouse, je suis juste très jalouse même, mais j'essaie de faire des efforts. Marrakech, direct. Ibiza, trop de fiesta. Trop de trop. Marrakech, c'est plutôt à la cool, au soleil, on profite, on va faire un petit tour, on mange bien en plus. Donc moi, dès qu'il y a de la bonne nourriture, ça passe direct. Alors ça dépend. Maintenant, il y a des nœuds papillons stylés. Hein. Même si avant, ça faisait un peu petit garçon, un peu coincé. Maintenant, il y a des nœuds papillons stylés, mais j'avoue que la cravate, ça donne un côté homme d'affaires, homme actif. Ballerine, non, 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 pas du tout. Plutôt talon, plutôt même basket maintenant, mais plutôt talon parce que ça donne vraiment une élégance. Et pourtant, moi, je suis très, très grande, donc à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu mets des talons? Mais j'aime bien regarder au-dessus de la tête de tout le monde. Instagram, j'ai même désinstallé Snapchat hein, pour dire à quel point Instagram l'emporte avec les stories et tout. Donc ouais, non, Instagram. Bar dansant plutôt. Boîte de nuit, ça y est, j'ai donné. Donc de temps en temps, pour un anniversaire, c'est cool. Mais je préfère les ambiances plutôt posées. Donc un bar où tu peux profiter et parler en même temps. Aucun des deux. Je regarde pas. Aucun des deux non plus. Hein. J'écoute plutôt du hip-hop, R&B. Ça peut se rapprocher du rap de temps en temps.
quoique maintenant il n'y a plus tant de genres, hein. il y a plein de featuring dans tous les sens, donc tout se mélange. Mais allez, quitte à choisir latino parce qu'on peut danser. Beyoncé, Beyoncé, Queen Bee. réveil, alors réveil en musique avant, mais en fait le problème c'est que j'ai l'impression que la musique est dans mon rêve, donc ça me réveille pas. Du coup, réveil calme, comme ça c'est en douceur et je reconnais en fait le son du réveil. Alors j'aimerais être organisée, mais malheureusement c'est toujours des vacances de dernière minute. J'arrive pas. Maillot de bain, deux pièces. Ouais, une pièce, en plus je suis grande, donc ça m'étire, c'est pas pratique du tout. Pour le bronzage, c'est une catastrophe. Même si ça revient à la mode, quand même, je reste sur le deux pièces. Justin Timberlake, ah ouais, ça c'est sûr, direct. Pour la danse, pour son style, pour ses musiques, Justin Timberlake. Même si sans alcool la fête est plus folle, bah de temps en temps un petit cocktail, un petit mojito, ça fait pas de mal quand il fait beau. Badminton, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais quand même le badminton ça donne des sacrées sensations, et le tennis je suis pas très forte, alors bon.